Tu as toujours l'hôtel de la plage des touristes en feu. Ah ouais, vraiment? Pour l'uranium, observons. L'uranium, c'est une stat intéressante. Charbon, charbon, charbon. L'uranium qui est là. Là, on est presque stacké en uranium. On est pas mal stacké en uranium. Et en plus, la centrale nucléaire a pas mal de... Ah ouais. On va tenter d'abord une petite quête d'uranium. Moyenne quête. Petite quête. Moyenne quête. Petite quête. Va éteindre le feu. Il y a vraiment le feu à ce point-là? What? Non. Là? Oh putain! Mais vous me l'avez pas dit! Mais il y a une caserne de pompiers! Mais la caserne de pompiers est en face! On fait que te le dire. Mais non, mais vous êtes pas clair aussi, vous. Non, mais il y a des casernes de pompiers, là, en vrai. Non, là, les pompiers sont en face. Alors, ici, il n'y a pas le feu. Ici, ici. Mais non, mais... Ah, ok, d'accord, ils peuvent juste pas aller là. Mais je vais pas envoyer un hélico pour une station de métro, quand même. Si. On pourrait mettre une autre caserne de pompiers. Parce que les pompiers sont relativement nazes, en fait. Et en vrai, je préfère avoir 10 casernes de pompiers collées les unes aux autres, plutôt de faire confiance à des gens. Comment être plus clair qu'il y a le feu, c'est vrai. C'est vrai que vous avez été un peu clair. Non mais en vrai, regardez, il y a une caserne de pompiers là, il y a une caserne de pompiers là, il y a une caserne... Mais quoi, tout est en feu maintenant? L'église aussi? Mais c'est à cause des séismes, c'est normal. Ils peuvent pas s'occuper de tout. Oh, vous me faites peur. J'ai juste pas de rondins. C'est quoi le plus important? C'est le feu ou les rondins? C'est les rondins. Envoie des hélicos, c'est tellement rapide. Non mais pas pour une station de métro, les hélicos. Regarde, tu vois, ils ont réglé. Psh, psh, y a plus rien. Mais enlève-moi tout ça. Mais on comprend plus rien. Là. Voilà, y a plus le feu. Y a plus le feu, la famille, y a plus le feu. Mets des rondins dans le feu. Eh, l'uranium, regardez l'uranium, on l'a fait en 2 secondes. Oh là là, mais je suis le king. Et là, évidemment, on n'a plus de proposition d'uranium. Putain, je le savais. En 5 mois, on a donné les 850 d'uranium. Non. Ah, oh, je le savais que c'était le bon call. Putain, et là, il ne propose pas. Charbon, par contre, je crois qu'on peut. Pétrole aussi. Pas de vente d'uranium, il te reste que 15 000 de stock d'uranium dans les mines. Non, mais je vais... Mais c'est... Ah, attendez, non, j'ai une autre question. Ah, c'est ça, volume du gisement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura plus. C'est pas définitif. Ok, d'accord, j'ai compris. J'avais pas compris qu'il y avait ça, volume du gisement. Ok, super intéressant. Cool. Merci. Non, c'est bon, c'est pas... Je vois le message. Je vois le message. Est-ce que vous pensez, Kiwi, Lias, Vivanzo, Maz, Draco Elix, Theophyte 1, logique, je ne vois pas un message écrit comme ça. Vous pensez que, genre, je suis streamer maintenant, j'ai repris le stream depuis mars 2018. Vous pensez que, alors, après tout ce temps, je suis pas capable de lire mon chat, c'est ça? Donc à la fois je dois parler, à la fois je dois jouer, à la fois je dois vous expliquer ce que je dois faire, lire les réponses du chat, lire les blagues racistes de Mogu, il y a des bouts d'amant, je ne peux pas tout faire, mais je vois quand même... Les messages. Et j'ai 350 000 gold dans mon stock. Alors, exporter les cigares, on fait. J'ai quelques infernaires. Commerce. Alors, commerce, du coup, je suis un peu the bee. Regarde un peu plus quand même. Non, mais vous pensez que... Non, mais vous pensez que c'est une conversation WhatsApp parfois. Genre, je vois pas un message une fois, genre, c'est fini. Eh, on a une bonne relation, les gens. On a une très bonne relation. Genre, dans le streaming, je pense pas que tous les streamers regardent leurs messages autant et qu'ils soient aussi, genre, avertis. Parfois, il faut que je me concentre sur le jeu. Donc, ne spammez pas un message parce que je le vois pas à la seconde même. Si c'est un message extrêmement important, ok. Mais je ne vais pas lire chaque message du chat. Que ce soit clair. Au bout d'un moment, il faut trouver une certaine limite, un certain juste milieu. Sardoche regarde plus le chat que toi. Et bah il a bien raison.
Je crois que le chat de Sardoche, il est en sub mode. Donc ne me cherchez pas. Tu me diras, ça changera peut-être pas grand chose. Ça doit être drôlement mignon. Non, par contre, bah, ce que je trouve cool, c'est que mes viewers sont relativement genre beaux gosses. Je trouve. Vous êtes plutôt chou. Pour avoir vu les photos sur Discord et tout, ceux qui sont présentés, vous êtes plutôt mignons. Genre, en moyenne, je pense que vous avez une beauté de 7 sur 10. En même temps, il y a 7K viewers, c'est vrai. C'est vrai. Et à Sardoche, mais en vrai, ses streams sont devenus bien à Sardoche. Hein. Par rapport à quand où il cassait les couilles sur LoL, moi je me suis arrêté une ou deux fois sur le stream, c'est quand même un peu plus agréable. Alors, pas quand il joue à LoL, mais sur les autres jeux, genre, il y a évidemment rien à dire. C'est normal, il mérite les viewers. Parce que, après, le truc, c'est qu'il. Enfin, il stream énormément, tu vois. Genre, moi j'ai une vie, tu vois. En vrai, genre, Sard a une vie, mais est extrêmement orienté autour du streaming, quoi. J'avoue que faire 36. Non, mais donc, y a personne qui fait 36 heures de streaming d'affilée, quoi. Rien que ça, c'est inhumain. Genre, moi, au bout de 6-7 heures, je suis. Bah, tu sais, genre, je suis fatigué, je vous ai beaucoup parlé et tout. Et après, j'ai envie d'être pépère, tu vois, j'ai envie de manger, j'ai envie de poser et tout. Donc, c'est. En vrai, non, en vrai, ça, c'est impressionnant. Putain, les 36 heures de streaming, mais. Faut se rendre compte que c'est un truc de fou, hein. Alors. C'est quoi, streamer 20 heures par jour, c'est pas normal. C'est vrai, c'est ouf, hein. Putain, on s'en rend pas assez compte. Même de le dire, tu vois, genre, le mec, genre, il stream, parfois, genre, il a fait des marathons de 36 heures, mais, c'est, waouh. Parce que même d'être sur le PC pendant 6-7 heures, c'est un ouf, quoi. Je trouve ça impressionnant. Non, et j'ai vu, putain, j'étais sur le stream de Zera, et j'ai vu Draco Edix qui a resub, c'est trop bien. Je matais le mapping de Zera ce week-end, je crois, et genre, trop mignon, il y a Draco Edix qui a mis un resub et tout, je l'ai vu, trop chou. C'est vraiment un bon gars, Draco Edix, j'aime bien. Je la change, j'ai des viewers que j'aime bien. Genre, je vous aime bien, j'aime bien. Même si Fanzi, par exemple, il casse les couilles, il est gentil, tu vois. C'est un bon gars, c'est un Toulousain, il comprend pas. Mais j'aime bien, j'ai des viewers, j'aime bien les viewers. Alors, concentre-nous. Banane, charbon. On va tester en fait les charbons et tout, là. Tu vois, j'ai envie de voir si on est capable d'aller chercher. Tu vois, genre, charbon, là, on commence à avoir pas mal de routes commerciales, je suis humble. Je casse les couilles. Ah bah oui, Fanzi, tu peux pas. Franchement, je peux te faire pas mal de compliments, mais de dire que tu casses pas les couilles, c'est quand même quelque chose. Parce que de dire à chaque fois, genre t'es nul, t'es moche, ou OMG, road tout plate, ou banqueroute, c'est les deux messages que t'as le plus écrit dans le chat, c'est road tout plate et banqueroute. Sûrement pas, Presidente. Mère Nature doit être notre priorité absolue. Quand nous aurons sauvé la planète, nous alors, pouvons aider l'humanité. Hôpital ou caserne de pompiers. Ça me dérange pas les deux. Les deux ne me dérangent pas plus que ça. Il faut juste que je regarde au niveau des relations. Parce que écolo, on est très bien. Communistes, on est excellentissime. Donc on va clairement faire le truc des écolos. Caserne de pompiers. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais... Hôpital, j'en ai plus besoin. Mais bon, on peut aller chercher 5 points avec les écolos. On est à quelques années des élections. Pas grave. Caserne de pompiers. En plus, c'est dommage qu'on en a construit pas mal juste avant. C'est pas grave, c'est toujours utile. Ça coûte pas si cher que ça. Bon, c'est 4500. Mais tu vois, genre là, ici, on en a pas, donc c'est parfait. Si on peut en caler une ici. Voilà, super. En plus, c'est utile. Ah, mais c'est vrai, j'ai des viewers qui sont. Je vous aime bien. Genre, je suis content. Tu vois, genre, quand on fout le bordel, genre, je suis content parce que c'est des gens que j'aime bien. Moi, j'ai pas envie qu'on soit beaucoup. Moi, je vous l'ai dit toujours, hein, je veux pas qu'on soit énormément sur le stream. C'est pour ça que je fais genre pas de putaclic ou de drama, etc. Je veux que ce soit que des gens qui s'entendent bien et sont cool. Parce que, genre là, on a une vraie relation sympa, tu vois. Il faut une route pour les pompiers, t'as raison. En fait, genre, si à la fin de l'année, tu vois, on peut être 500, 600 réguliers à chacun des streams, c'est cool, tu vois. C'est en fin décembre. Parce que je me dis qu'on est plus et il y a plus de gens cool. En vrai, il faut pas que ce soit illisible. Mais j'ai pas envie qu'on soit genre. Tu vois, genre, j'ai pas envie qu'il y ait un jeu qui me fasse exploser et qu'il y ait plein de gens qui me connaissent pas et qui viennent sur le stream et du coup. Genre, l'expérience de stream devient trop chelou. Parce qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas, il y a plein de gens qui vous connaissent pas et d'un coup on devient genre 3000, 4000. Imaginons, il y a un jeu qui devient trop lourd, tu vois, et genre je deviens bon ou X. En fait, j'ai pas envie de ça, tu vois. Ça me fait un peu peur. Mais de monter de manière linéaire et tranquille, tu vois. Genre 500, 600 viewers, ça peut être cool, tu vois, en fin d'année avec des gens sympas. Comme quand. Après, parfois on dépasse, hein, ça. Qu'est-ce que je veux dire? Bonjour, nouveau sub. Bienvenue chez toi. Pompier, bomberos. Les Ralam, merci beaucoup, les Ralam, pour le 6e mois. Nous aussi, on t'aime. Ça, c'est mignon.
Waouh, vous êtes chou. Bah ouais, moi je dis les choses telles que je les pense. Après, vous prenez pas, mais parfois il faut savoir être mignon quand on le pense. Bomberos. C'est où Bomberos? Je suis perdu. J'appuie sur tous les boutons. Putain, les pompiers, j'arrive jamais à savoir où c'est. C'est en service public. Putain, j'oublie à chaque fois. Bomberos, du coup, c'est... Ah, dommage, j'aurais bien aimé le mettre là. Tiens, on peut faire peut-être un truc ici. J'ai très mal posté mon jardin botanique. Très très mal mis, mon jardin botanique. C'est dommage. C'est un peu du caca. Quelle belle journée, Presidente. Une belle... Oui, terminez le raid, excusez-moi. Bonjour, nouveau sub. Bienvenue chez toi. Oh, et merci beaucoup, Instant, pour ton Twitch Prime. Du chouchou dans le chat. S'il vous plaît. Combien? Quatrième mois en plus, c'est cool. Bon, mon jardin botanique pue la merde, hein, vraiment. Je pense qu'on va le détruire. Hein. Allez hop, ça dégage. Les raids. Alors, au niveau des raids, on a quoi? On doit exporter du cigare, on n'y arrive pas depuis tout à l'heure. Activer permis de construire, ça je dois le faire. Et espionnage. Et on a dit qu'on faisait un petit truc d'espionnage. Vol de plan. Allez, on peut faire un petit vol de plan. Il va lancer la mission, ok. Après, on va faire observation, double observation. Petite chasse au trésor. Et les commandos aussi, petite chasse au trésor. Là, je sais pas pourquoi ils nous permettent d'aller jusqu'à là, mais j'arrive pas. Ah bah si. On peut faire que 3 trucs, j'ai l'impression. C'est pas très bien foutu, ça. Route ou plate route. Demander une aide financière, on peut le faire. Et après, on va leur dire bravo, vous êtes les meilleurs, bravo, vous êtes les meilleurs. Au niveau du ministère de la Défense, alors ça, les postes de police fournissent des sections d'infanterie dans des conflits militaires, c'est pas mal. Moins 10% des coûts d'entretien des bâtiments militaires, c'est pas mal. Moins 10% des constructions, c'est pas mal. Vous touchez 75$ suisses par mois. Ça fait 750 par an, c'est pas ouf. Ouais, on va tout reprendre la thune pour l'instant, on n'a pas besoin de d'armée. Bientôt 6000 viewers sur Tropico, bon on essaye hein. Écoute, Tropico en vrai... Moi je pense que ça va être mon main jeu, Tropico. J'hésitais entre Tropico, Anno, 1800, Civilization 6 pour me relancer. On est parti hein, je crois. On va se faire du Tropico en multi, on va devenir top 1 FR sur Tropico. Puis voilà quoi. On va recruter une petite équipe. On va faire comme PA, on va lancer la Team Pax. On va appeler la Papi Chulo Academy. On va recruter les meilleurs sur Tropico. Caserne de pompiers. Je suis en train de la créer, je crois. Elle est là. Espionnage. Permis de construire, je dois l'activer. Allez, on va l'activer. Donc là, ça augmente tous les coûts de construction. Mais je gagne un peu de thunes. J'ai l'impression que c'est ok. Ça, on en a pas besoin. Prêt d'état. Ça, c'est pas ouf. Ça, pas besoin. Audience, ça peut être pas mal. On va faire audience maintenant. Audience, c'est genre, en gros, je demande une... Enfin, je demande aux trois factions avec lesquelles je m'entends le moins de me proposer une quête. Et si j'y réponds positivement, du coup, je peux gagner des points de réputation. Salut, président. Comme là, tu as des capitanies. Le terrain de Gaulle, je vais l'accepter. Centrale nucléaire avec l'industriel. Une limonade. Quelque chose de plus fort. Centrale nucléaire, ça en ferait beaucoup. Hein. Non. Et hôpital pour les religieux, bien sûr. Je suis ravi. Hôpital, c'est avec plaisir. Donc hôpital et terrain de golf. Le terrain de golf, on pourrait le mettre dans le quartier des Papis Chulo, je pense. J'en ai déjà un. Mais il y a beaucoup de queues. Ici, il y a beaucoup de queues. On pourrait mettre un gros terrain de golf à côté des ambassades. Ah, ça rentrera pas, putain. Dommage, ça aurait été le bon endroit ici. Ce quartier-là, je dois le détruire d'ailleurs. Faut que j'y pense. Parce que là, il y a déjà un terrain de golf là. Ok, au niveau des loisirs, on commence à avoir beaucoup de queues partout là, c'est chiant. Enfin, je vais le mettre là. Je vais détruire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais détruire des bâtiments plébiens pour mettre un terrain de golf à Pichulo. Je pense qu'il y a personne sur le chat qui va m'empêcher de faire ça. Il y a moins de gens qui habitent là. Chez les touristes. Non, pas envie de faire chez les touristes. On a déjà un terrain de golf chez les touristes. Allez hop, ça détruit. Et un gros terrain de golf à la place.
Bam. On va quand même mettre un ou deux apparts, histoire de... Tiens, genre là, tu les mets là. Ah, j'aimerais bien les caler un peu mieux. Ouais, parfait, tu vois. Un, deux, là on a un grand parc qui sert strictement à rien. En fait, les parcs c'est un peu utile, mais ça, ça bouffe de la place pour rien, pense. Une caserne de pompiers, on l'a fait. Et l'hôpital, du coup, on peut le faire ici, j'ai l'impression. On va quand même regarder au niveau de la qualité de la foi. S'il y a des bâtiments qui sont dans la merde. Là-bas, ici, c'est un peu rouge. Là, ici, c'est toujours très rouge. Ces gens-là, malheureusement, ne peuvent pas trop prier. J'avoue que là... Après, je peux peut-être créer une petite chapelle, hein, juste pour eux. Pas obligé d'aller chercher le... Là, tu vois... Ah, dommage, ça rentre pas. Dommage. Ça aurait été parfait, ici. Oula. Allez, go. Petite chapelle pour eux. Mais on a dit qu'on voulait... Un hôpital. Non, c'est pourquoi j'ai dit qualité de la foi. Je suis con, c'est pas ça. C'est santé publique. Là, je suis en train de créer un hôpital déjà. Ça devrait pas être rouge. Là, c'est un peu rouge ici. Là, c'est des cahutes, on s'en fout. Là, c'est un poil rouge. Il y a pas mal de queues. On pourrait créer un hôpital là, en fait. Allez, on va créer un hôpital là. Juste coller. Parfait. Regarde, dans les décrets, tu peux booster le tourisme. Dans les décrets, tu peux booster le tourisme. Ah, c'est ça que je voulais faire, putain. C'est vrai. On va le faire aussi, ça. Tout va trop vite de New York. Et les cheveux. Maintenant, on va commencer à être un petit peu démodé. Mais ça vaut le coup. Pour chaque fort et tour de garde, jusqu'à un maximum de 10. De 4 plus 3 pour chaque fort. Ou la coiffure commando. Nous ne savons pas voyager dans le temps, mais nous savons presque aussi bien. Ouais, on va faire ça. Traditionnel. Vive les robes longues et le chapeau. Là, on va être un peu hipster. Tropico va devenir un peu hipster en termes de mode. Instagram n'est pas encore sorti en 72. Je pense que là, on va pouvoir faire... Fort et tour de garde. On va les mettre ici. Alors fort, je sais pas, on en a pas fait encore des forts. Non. Fournir des sections d'infanterie dans des conflits militaires. Alors, il faut pas trop construire maintenant parce que ça me coûte plus cher aussi, mais ça me ramène de l'argent suisse. Donc, on va faire un premier fort ici, par exemple. Juste derrière le motel. Ça me paraît très bien. Parce que fort, ça revient, mais. Et après, on avait tour de garde. En fait, c'est pour ça que je comprends pas par rapport. Attaque les sections ennemies dans un conflit militaire. Bon, on va en faire une ou deux. Genre là, tu vois. Petit tour de garde. Les touristes, ils vont croire que c'est un phare. Et paf! Petit sniper. Hop. Voilà, comme ça on va pas trop en faire je non plus. Je ne voudrais pas vous brusquer, mais... Réputation bloc de l'Est. Non, rien ne m'intéresse. Ok. Donc là, l'hôpital est en train d'être créé, caserne de pompiers créée, terrain de golf créé. Le cigare, on n'arrive pas à en exporter, je ne sais pas pourquoi. On en fait pas assez, en fait. Si. Bon, il y a le feu, mais il va être réglé. Il y a souvent le feu, quand même. Hein. Ah, le charbon. Oh, le charbon, on l'a fait trop rapidement. En 5 mois, on a eu la petite... C'est énorme. Ah, on a des nouvelles quêtes. Oh, le bateau. Le retour des bateaux. Oui. Attends, on a des bêtes d'offres, là. Chocolat aussi, on est pas trop mal en chocolat. On a déjà une quête en chocolat qui avance un peu plus vite maintenant. Alors le bateau, c'est sûr et certain. On le fait trop bien, les bateaux. Et du coup, est-ce que j'augmente une dernière? Parce que la viande, je crois qu'on est bon, mais c'est en conserve qu'on est bon. Mais la conserve avance un peu plus vite. Hein. 37 mois, on a déjà 15 000, c'est bien. Joaillerie, je m'attendais à être beaucoup plus rapide, mais bon, ça nous rapporte beaucoup de gold aussi. Donc c'est très bien. Arme, je m'attendais à être encore plus rapide, pareil. Là, il faut faire le rapport entre le nombre de mois et la thune que ça nous a rapporté, quoi. Donc là, par exemple, en 66 mois, j'ai gagné 200 000 gold. Là, en 63 mois, j'ai gagné 167 000. Donc c'est moins, tu vois. Même si en 3 mois, j'ai gagné 30 000 de plus avec les bijoux. Là, par exemple, avec les chocolats, en 16 mois de plus, donc 1 an et 4 mois, j'ai gagné à peu près la même chose. C'est pas ouf. Le rhum, pareil, un peu pareil. Tu vois, et le mobilier, c'est pas dur du tout. Les mobiliers étaient très nuls. C'est ce que je vous expliquais, parce que... En 132 mois de mobilier, j'ai gagné 121 000. Alors que j'ai gagné plus avec divisé par 2 en rhum. Alors que les cigares, je suis insane. 121 mois de cigares, 219 000. C'est très bien. Ah bah non, c'est pas bien du tout. Alors c'est beaucoup. Ah non, c'est qu'on a amélioré, c'est vrai, on a. Pardon, on a amélioré le cigare récemment, c'est vrai. Et le lait, on est très très mauvais. Hein. Le lait, on est exécrable.
Donc là, juste, je sais pas ce que je peux faire, en fait. Le caoutchouc, je sais qu'on sait en faire. Mais caoutchouc part dans les voitures. Il y a l'or. Mais l'or, ça devient des joailleries. Peau, plastique, pétrole. Pétrole, on sait faire aussi. Bon, on va faire un petit truc de pétrole. Je vais tester. Ah, merde. Ah oui, non, c'est vrai qu'on en a pas encore. Je suis ravi. Ah, et voilà. On a le cigare qui finit. Ok, parce que le cigare avançait pas trop. C'est bien. C'est ce que je me disais. Parce que là, on est très très riche. Hein. Ah, non. T'as pas dire que pendant un moment, on était en banqueroute. Je rêve. Est-ce qu'on est bien au niveau du équilibre du réseau? On n'est pas si ouf que ça en équilibre du réseau. En vrai, j'aurais peut-être dû accepter la centrale nucléaire. Parce que là, je pense qu'on a... On pourrait aller chercher encore de l'uranium. Hein. Tu vois, genre là, il y a des trucs d'uranium à gauche et à droite. Ici, là, les deux, on est en train de les faire. Là, tu vois, on pourrait aller chercher le truc d'uranium ici. Hein. Oh là là, 200 IQ. Après, je pense que celle-là... Elle va être un peu difficile à aller chercher. Ouais, ouais, là on va commencer à vendre l'uranium. Hein. J'ai vu le message de Josh. C'est clair et net. Là on va refaire une petite route ici. On va rattraper là, de là à là. J'aimerais bien que ce soit droit. Bon, ça longe la côte, c'est ok. Et là, du coup, je vais faire une centrale nucléaire. J'aurais dû accepter l'autre. Pas grave. C'est dans quoi déjà? C'est pas là? Ah oui, non, c'est dans. Ah, dommage, il le prend pas ici. Faut que ce soit tout droit. Ok. Nice! Pas assez d'énergie dans le réseau, il manque 190 MW. Ok, c'est bon, c'est juste un petit bug. Parce que là, du coup, il nous refaut de l'uranium, et là, on va commencer à aller en vendre ensuite en commerce, dès qu'on chope de l'uranium. La viande, j'ai juste un doute, en fait. J'aurais bien aimé tenter, parce que là, j'avoue que le plus 35% m'excite pas mal. Allez, j'ai envie de le tenter, au moins on comprendra. Parce que là, il faut que je regarde que... Lait, on est pas bon. Bateau, on est bon. Boîte de conserve, on est bon. Joaillerie, on est bon. Arme, on est bon. Chocolat, rhum, mobilier, on va être meilleur maintenant. Cigare, on va être meilleur. Mais viande, je sais pas. On va voir. Tu vas beaucoup réduire la beauté de l'île et des touristes. C'est pas grave, ça. Parce qu'après, on va pouvoir commencer. Succès déverrouillé. Commerçant. Oh, nice. Parce qu'on a créé les 10 routes commerciales. Donc là, je pense que je vais faire un parking. Là, ici, il y a des gens qui ont besoin de travailler. Ah ouais, d'accord. Ici, il y a des gens qui ont besoin de travailler. Donc, qui y travaille, dit appartement. Ce truc, c'est que j'aurais bien aimé créer une plantation de quelque chose ici avant. Genre, tu vois, limite, une usine de plastique. En fait, là, on arrive bientôt au temps moderne. Dès qu'on atteint les 500 touristes, on est au temps moderne. Donc, je pense que demain, on va être bien pour ça. Ministère de l'Information, augmente les chances de découvrir les rôles cachés des autres bâtiments et de déverrouiller l'interaction. Ça, on va le faire aussi. Ministère de l'Information, il faut qu'on fasse les bâtiments un peu plus classe. Tu vois, genre là, ici, genre... Oh, c'est parfait. C'est superbe. Banque. Alors, banque, je savais qu'on avait amélioré le mode banque. Je sais pas si ça peut être utile. Augmente votre ligne de crédit de moins 5 000 $. Cet effet cumulé avec plusieurs banques. Oh non, faut pas faire ça. Tous les mois, transfert 2%. Pour une efficacité de 100, jusqu'à un maximum de 200 $ du trésor sur votre compte personnel en Suisse. C'est génial. On produit 2 $ de revenus par citoyen riche et richissime. Alors que là, c'est tous les mois, le bâtiment génère pour le trésor un intérêt de 5%, jusqu'à un maximum de 1 000 $. Ok, ça, on en fout. Fonds secrets. Très bien, les fonds secrets. C'est un plaisir de faire affaire avec... Moi aussi. Fonds secrets, on va faire une deuxième banque, du coup. Dans le quartier des Papichulo. Road to plate route. Non, je pense pas. Là, en vrai, on est bien. Et encore, j'ai limité l'immigration. Là, on pourrait accueillir plein de gens, mais là, on est 2600. C'est déjà beaucoup dans cette île. Donc là, j'ai bien augmenté l'endroit du tourisme. Donc là, tous les touristes sont ici. On a déjà accueilli 373 touristes. Méfiez-vous, Presidente.
Les forces subversives sont partout. Terminer le raid sabotage bloc de l'Est. Oh, ça, c'est pas de souci, on peut le faire rapidement. Je pense que là, on va... Il est quelle heure? Il est 15h. Je pense quand même que je vais atteindre les touristes au max. On va continuer au Tropico. Et je ferai Tracos après. Dès qu'on a atteint les 500 touristes, on va pouvoir passer au temps moderne. Et comme ça, demain, on peut faire les temps modernes. Je vais accélérer un peu. Et on avait dit sabotage bloc de l'Est. Ça, il faut qu'on le fasse. Tac. Il y a plus de marble. Si, le marble va revenir, mais plus avec LOL. Jeudi et vendredi, il y aura du marble, je pense. Parce que là, vu que je fais 4-5 heures de Tropico, c'est pas du tout le... Enfin, il y a des thèmes de journée, quoi. Tu vois, genre quand je fais Tropico Trackmania ou Tropico LOL, on va pas forcer marble, quoi. Mais là, quand je fais genre LOL, c'est quand je fais 4-5 games de LOL, le marble se porte très très bien, quoi. Pour se détendre un peu. Temps écoulé pour la requête, moins 5 industriels. Merde, putain, j'ai raté un truc. Mais l'hôpital, pourquoi il est pas créé? Ah bah voilà. Je croyais que je l'avais fait l'industriel en plus. Ah, ça a mis du temps à être créé. Une bonne action. Merde, ça a mis du temps à être créé. Fais du plastique, tu vas en avoir besoin pour être là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On va pré-shot du plastique. On va pré-shot du plastique. Transforme du pétrole en matière plastique. Ok, j'aimerais bien le mettre dans le quartier industriel ici. Je pense que ça rentre pas trop, à moins que je décale la route. Et que je crée limite une deuxième partie de route là. Ouais, c'est un peu le bordel, j'avoue, ici, parce qu'il y a un peu de tout. Il va me saouler. Voilà, ici je veux du plastique. Il nous faut plus de pétrole. Donc, vu qu'on a pas mal de thunes, je pense que je vais faire un deuxième truc de plastique. Comme ça, on s'en rappellera. Et là, on va faire plateforme pétrolière. Alors, du coup, on en a une ici qui tourne déjà. On en a une ici. On en a une là. Ah non, merde. Puits de pétrole. Je sais pas si j'aurais pu mieux l'optimiser, mais bon, c'est ok. Ok, là, on va bien faire choper du pétrole à côté du laboratoire de recherche. Ça, ils vont crever un peu plus vite. Donc là, on a deux plastiques, 3, 4, 5 pétrole. On peut faire une plateforme pétrolière par contre, parce que là on en a déjà une ici, je peux pas en caler une deuxième. Si, très clean ça. Ça je savais pas qu'on pouvait en caler deux en fait. Là je pourrais en faire ici aussi. Tac, deux, parfait. Là on est bien en pétrole. Et je voulais voir si la route commerciale de pétrole fonctionnait au fait. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Non, je l'ai pas fait, putain. Un puits de pétrole qui n'est pas relié. Celui que j'ai posé là? Ouais, bien vu, bien vu. Celui-là. Ah putain, ça va être les routes chiantes là. Nice! Ok. Pff, j'ai eu peur. Le jeu ne sait faire que les petites routes, genre 3-4. Ouais, j'ai remarqué en fait. Il sait pas faire une ou deux routes. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, parfois, t'essayes d'optimiser. Mais effectivement, c'est le raccourci qu'on peut avoir. Je prononcerai le meilleur discours. Alors, 7ème élection du Presidente. Parce que je vous rappelle qu'on a commencé en époque coloniale en 1870, mais c'était pas pareil, on était gouverneur. Ça a vraiment commencé en 1905. Donc reconnaître le problème, en fait on n'a pas trop de problèmes, donc je peux reconnaître le problème en criminalité, à la limite. On va louer la faction des industriels, on n'est pas très bon avec eux, mais les religieux à chaque fois sont très bas. Donc on va mettre les religieux. Accuser superpuissance, aucune. Et on va promettre des améliorations en loisirs. Parce que criminel, c'est plus chiant à gérer. Bon, il est en train de parler, mais je pense qu'on peut continuer à jouer. On a bientôt fini le ministère de l'information.
Votre solidarité. Là, au niveau de la recherche, je suis bien. Et j'accepte gracieusement votre amour. Vous êtes mon tropico. Sachez-le, citoyen des tropicos. C'est... Tandis que nous prospérons, Dieu n'oublie pas... Oh, c'est vraiment nul, ça, putain. Augmente les coûts de construction des bâtiments de 18% au lieu de 20%, mais tu gagnes 1% de base sur compte suisse. Ok, d'accord. Pas trop ça. C'est l'anglais. On me dit parfois que tropico n'est pas amusant. Ok. On a fini le lait. Sera bientôt deux fois plus divertissant. Oh, les voitures. Deux fois moins ennuyeux. Nice. Oh, grosse quête de voiture. Et la viande, putain, on est très bon en viande. J'ai voulu faire le test, et regardez, on a déjà envoyé 3700 en moins d'un an. Donc là, viande, on est très bon maintenant. Faut que j'y pense. Faut que je me mette dans un coin. Viande. Cigare. Mobilier. Rhum. Là, pour l'instant, le combo qu'on a de tout ça est pas mal. Juste joaillerie. C'est dommage qu'on soit pas aussi bon. Ok. Check la menace rebelle, la dernière fois, ils ont foutu le feu à la centrale. Ça marche. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que... J'en pense que... Il me propose pas cette quête, ce coquin. Terminer le raid d'espionnage. Terminer le raid d'espionnage. C'est leur ça, non ? Espionnage de... Connaissance, tiens. Connaissance, ça va nous permettre de préparer la prochaine ère où on va faire beaucoup de recherches. Je suis ravi nice. D'avoir fait... Moi aussi. Donc là, on est en full observation. J'aimerais que ça se fasse automatiquement les recherches. Et ça, du coup, dans recherche, je fais plus rien. Je fais plus rien pour accumuler du savoir. Et d'un coup, on dépensera tout ici. En fait, parce que par exemple, là, l'économie de marché mondialisé, c'est 4000 en recherche. Et là, on a que 537. Et vu que ça se cumule, je peux ne rien faire, en fait. Je suis lourd. Je vais juste attendre un peu. Donc les touristes, on y est bientôt à 413 sur 500. Au niveau des golds, dans l'ensemble, je suis pas mal. Les armes, on a terminé. Ça, c'est cool. Alors, je pourrais refaire des voitures, mais on a déjà une quête. Il y a trois quêtes qui sont terminées. Armes, joaillerie et cigares sont terminées. Putain, on est full riche. Hein. Trop bien. Alors, cigares, je peux relancer, du coup, maintenant qu'on est meilleur. On va se faire une grosse quête de cigares. On en profite, hein, des 26%. Quoi d'autre? Le rhum, on fait déjà. Ananas. Non, boîte de conserve. Non, charbon. Charbon, on avait dit quoi? Charbon, on avait dit qu'on était très bon. Charbon, on est très bon. Je grille, au pire, je pourrais la fermer. Et uranium, mais uranium, je crois qu'il n'y a pas... Ah, si, uranium... Ah, mais uranium, on a dit que non. Si, il faut en faire. Allez, on en vend, allez, fuck. Tant pis, on verra bien. Go programme spatial, c'est le feu pour booster la connaissance. Ok. Salut Shones, 15h10, c'est pas la Trackmania. Il y a moyen que je batte ton PB sur le labo. Oui, je sais pas combien il est. Non, mais je dis que d'abord, je finis les 500, là. Comme ça, genre, prochain... Demain, on pourra faire les temps modernes. Les rumeurs de vandalisme sont très exagérées. Les nouveaux styles architecturaux... Putain, regardez le nombre de bateaux qu'on a. Ouais, c'est stylé, hein. Regardez notre ville. Avant, c'était un petit caca. Une crotte au milieu de l'océan. Mon grand-père aimait dire qu'on ne fait pas de limonade sans plantation, ni sans suffisamment de travailleurs immigrés. Publier le décret de développement urbain. Non, c'est pas bien, ça. D'une époque. Après, si, c'est pas mal. Plus simple. Mais il n'avait pas tort. D'autant qu'il était armé, vous aussi. Non, ça vaut pas le coup. C'est très nul de faire ça. Allons presser quelques citrons. Vous avez entendu ces fossiles. C'est en fait là, le décret de développement urbain, je dépense 7500 dollars. Mais par contre, toutes mes résidences coûtent moins cher. Mais vu qu'après je gagne que 5000 ou plus 5, ça veut dire qu'en fait je dépense 7500 pour avoir des maisons dont je n'ai pas besoin pour gagner 5 points. Alors que là, jeter avec une fête foraine, ça peut être cool. Et en plus, je vais gagner 5 points. Même si avec les communistes, je suis très bien avec eux, ça vaut le coup. Ça faisait longtemps qu'on l'avait, je crois qu'on a que une en plus de jeter, qui est là. On n'a pas vraiment besoin en vrai, mais bon.
Une petite jetée, on va la mettre pour les touristes. Une petite jetée touriste. Genre là, ça peut être sympa à côté de l'hôtel. Tu peux faire une petite sortie sympa. Et tu vois une cahute forcément, donc ça dégage. Le bar à cocktail, ça bosse pas mal. Augmente l'efficacité de l'école d'espionnage de 5%. Cet effet peut être cumulé jusqu'à 20%. Quoi ? Dans les bars à cocktail, tu peux augmenter l'efficacité de l'école d'espionnage ? Ça a un peu de sens. La viande terminée. La viande, c'est très très lourd. On est trop bon en viande. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Est-ce que je peux... Non, la viande. Non, je peux faire des rondins. Pétrole, planche, ça je peux pas, tout ça. Fer, coton, café, café, boîte de conserve, banane, acier, voiture. Putain, les voitures, c'est bien, mais... J'ai déjà celle-là qui est partie. Putain, c'est très rapide, hein, les voitures. Cigare, j'ai déjà. Rhum, j'ai déjà. Acier, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup de propositions. On va faire le pétrole, je pense. Pétrole. Gros contrat de pétrole. On a une jetée, mais moi j'ai plusieurs traînées. Bidon. La mug. Ok. Chocolat, ça on sait faire. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour accélérer. Au niveau des touristes, on y est presque à 500. Parce que là, est-ce que je pourrais m'occuper d'un vrai truc en attendant? Parce qu'au chômage, on est vraiment très faible. Hein, 29 sur 200, 2700. Là, c'est juste qu'on est trop bien. On a... J'ai plus rien à dépenser et on... On pourrait juste dépenser pour faire vivre des gens dans des lieux sympas. Là, tu vois, là, les nouvelles cahutes sont toutes là. Oh putain, ok, on a full cahute ici. Ouh là 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 là, c'est quoi? Richesse. Pauvre. Aisé. Aisé, aisé. Pauvre, pauvre. Pauvre, pauvre, ok. Qui dit pauvre dit Coventillo. Là, dans ce cas-là. C'est dommage que c'est dans le quartier des touristes. J'ai envie de mettre un petit peu plus loin. Tu vois, genre comme ça, ils travaillent à l'extérieur de la ville, là, pareil. Tu vois, genre ces gens-là devraient pas être en galère. Petit Coventillo ici. J'ai pas envie que les touristes voient ça, en fait. Les villas côtières, pour l'instant, il y a personne qui y vit. Hein. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais les villas côtières, les touristes n'y vont pas visiblement. Les casinos, il y a personne dans le casino. Pas ouf quand même. Cathédrale, il y a plein de gens dans la cathédrale. Pas mal ça, ouais. La cathédrale a 5% de chance, la qualité du service diminue de 15. Ouais, c'est pas mal en vrai ça. Je vais le garder. Alors j'ai un petit problème ici. Les touristes ne viennent pas trop là. Ils viennent plus ici. Là tu vois, genre là, il y a full touriste. À l'hôtel, il y a full touriste. À l'hôtel, il y a full touriste. Mais bon, les touristes vont pas ici. Pourquoi ? Tu me dis en même temps, ils sont accueillis par des grosses cahutes. Putain, ça fait très. Très ghetto quand même. T'es accueilli par des cahutes. Débarcadère, il y a une route. Port à touristes. Ligne économique, pas voulu. Les paquebots. Les touristes qui débarquent dans ce port touristique sont riches. Bah, techniquement, il faudrait faire ça. Hein. Je veux qu'ils bossent un peu plus. Mais là, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai raté un truc ? Pourquoi les touristes viennent pas ici? La beauté joue sur le tourisme. Ah si, c'est pas mal ça, t'as raison. Pollution, on s'en fout. Électricité, on s'en fout. Criminalité, ça va. Liberté, ça va. Couverture des loisirs, ça va. C'est pas la couverture, c'est qualité. Mais là, c'est des cahutes, c'est normal qu'ils ont zéro fun. Il y a deux feux. Mais vous êtes omnibulés par les feux. Hein. Mais vous comprenez que les feux, quand même, les pompiers, c'est leur travail. Hein. Genre, j'ai une notif comme quoi il y a le feu, mais c'est pas très grave pour moi. Devant les boîtes, c'est pas des cahutes? Bah, si, en fait. C'est juste ça. Il travaille où, lui, d'ailleurs? Il travaille
Lieu de travail, théâtre. Théâtre. Mais quel théâtre? Quoi? Mais jure! Le mec travaille là? D'ailleurs, y'a personne dans ce théâtre? Comment ça se fait? Théâtre d'impro. La richesse minimale est pauvre. Chaque citoyen proche de la faction actuelle qui se rend au théâtre a une chance, efficacité sur deux, d'augmenter votre réputation. Oula. Augmente le coût d'entretien de 20%. Chaque citoyen qui se rend au théâtre a une chance de plus de vous soutenir. Aucun touriste ne préfère le bâtiment. Ouais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a des... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui ne peuvent pas revenir, en fait. Ces gens peuvent juste pas revenir, en fait. Ils se sont installés là. Parce que les touristes n'arrivent pas à aller dans les villas côtières. En gros. Bon, il y a le poste de police, mais ça, c'est pas un problème. Dans le casino, on a bien des gens pour accueillir. La salle d'arcade, il y a personne non plus. La boîte de nuit, il y a personne. Pourtant, il y a des gens qui travaillent. Donc, niveau travail, on est bon. Et j'ai mis touriste uniquement. C'est quoi cette merde? Comment est-ce qu'on fait? Fais un téléphérique. Mais j'ai déjà un métro. Tu vois, le métro est pas mal pris d'ailleurs. Le métro est relativement efficace pour le coup. Je crois qu'il y en a un deuxième ici. Non, c'est une cahute. On avait dit qu'il y avait un métro là. Non, là j'avoue, je comprends pas très bien. Enclave ethnique, tu vois, pareil, y'a personne. Pourquoi les touristes ne vont pas à gauche? Ici, c'est de mystère. On va quand même observer là. Je vais regarder s'il dépose quelques touristes lui. Ah bah, visiblement non. Ah, ils sont là! Ils sont là, observons les touristes! Alors, qu'est-ce qu'ils font en fait? J'ai l'impression qu'ils se dirigent vers la droite. Ils sont en file indienne. Ça, c'est des touristes. Hein. Oui, ok. Ah, ouais, d'accord. Donc les touristes ne vont pas du tout là. Hein. Ah, ouais. C'est des touristes ça, ou pas? Je vais améliorer mon bronzage. Alexandra Schumacher. Bah, ouais, hein. Je ne regrette pas mon voyage. Michael Schumacher. Pourquoi tout le monde? Encore là. C'est dangereux par ici. Harry Doherty, Olivia Doherty. On est arrivé. Logement motel. En même temps, ils voient une grosse cahute. Voilà, la station de métro est là. Alors, eux, ils ont l'air de tous vouloir vivre dans les motels. Salle d'arcade. Il y a Dolores Perez qui a 4 ans qui est dans la salle d'arcade. Très bien. Boîte de nuit. En même temps, j'ai mis club des riches. Non, on va pas mettre aucune règle vestimentaire. Voilà, comme ça, ils peuvent arriver en tongs. Pas nous faire chier non plus. Le journal, ça, on s'en fout. Ok, alors, on va continuer à les suivre un peu. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont où là? Ils vont dans le métro? Ok, ils prennent le métro. Mais tu vois, ils dodge tous ici. Pourquoi ils dodge tous là? Pourquoi ils dodge tous ici? Ils vont direct à droite, visiblement. Réfléchissons. Quelqu'un a une idée? Un bus. Un bus? Est-ce qu'on mettrait pas un bus en fait? Non mais gros, un bus de là à là. Moi je pense que le bus... Mais tu vois, il y a déjà un parking, c'est pour les gens qui travaillent. Il est pas très utile je pense, mais bon. On a un bus, tac tac, le mec il arrive là. Tu mets un petit bus d'arrêt ici. Parce que le bar à côté, par contre, ils y vont. Ah mais ils y vont, mais c'est pas les touristes. C'est les gens, c'est les gens qui travaillent dans le bar à côté. Mets un métro à côté du port et un autre où tu veux qu'ils aillent. Bah, en vrai, il est pas trop mal le métro, hein, franchement. Enfin, normalement, tu... Bon, attends, je vais laisser un petit peu avancer, quand même. Ça, on va le construire direct. Ok, dépôt de bus. Placer la ligne de départ. Alors là, tu peux pas faire mieux. Placer l'arrêt de bus. Là, c'est vraiment le bus pour les... Pour les gros tas. Hein. C'est vraiment ceux qui ont pas envie de marcher. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Dans un quartier. Un belvédère. Attraction à bas coût. On peut faire un belvédère. Hein. Oula. Ouais, un petit belvédère. Petit belvédère derrière le bus.
peut-être qu'il faut faire un deuxième office du tourisme, hein, parce que, attendez, est-ce que ce serait pas genre full RP? Donc quoi, les gens veulent aller à l'office du tourisme pour se renseigner, et on en a qu'une là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je ne regrette pas mon voyage. Charlotte Moreau. Charlotte Moreau, 50 ans, qui est venue avec son fils Gabriel Moreau. Je vais améliorer mon bronzage. Et son mari Gabriel Moreau. Âge 32 ans de Gabriel Moreau. Il est temps de se reposer. Âge 50 ans de Charlotte Moreau. Oula, 18 ans d'écart quand même. Regarde l'almanach pour savoir si les touristes ne sont pas trop pauvres. Ok, intéressant. Touriste, peuple, non. Économie, non. Bonheur, c'est dans quoi? Touriste, là, c'est ce qu'on a. Cougar. Soyez pas trop véhément quand même avec elle. Tourisme, je sais pas où je check ça. Ça va être là, non? Citoyens spéciaux. Chef de faction, criminel, seigneur du crime, rebelle, rival. J'ai un rival? Raquel Benitez? Incroyable. Je vois pas du tout où est le tourisme. Check la beauté de ton île, mais je sais pas où est-ce que je cherche. Ah, attends. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, putain. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça que je trouvais pas quand tu me disais les filtres. Tu vois, genre j'étais bloqué ici en fait. J'avais oublié ça. Donc peut-être qu'en fait les gens dodgent le parking. Les gens dodgent le parking en fait. Putain, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oula. Oula là 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 là. Oh, c'est pas beau. Oh, on a pas une belle ville. Hein. Oh là 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 là. Ok, on va virer le parking déjà. Ah, je pensais que c'était utile pour les gens qui travaillaient, mais non. En fait, ils y vont à pied. Hein. Donc là, on démolit le parking. Ça va aller un petit peu mieux, j'imagine. Je vais accélérer pour voir. Ok. Observons encore la beauté. Allez. Enlève-toi, s'il te plaît. Allez. Allez. Je suis en x4, là. Non, mais c'est une blague, là. Allô? Les lieux les plus beaux, ce sont les prisons. C'est vrai, putain, les prisons, ils kiffent. Ah! Et en feu! Mais attends, mais le parking ne veut pas partir. Donc, au niveau de la beauté. On peut mettre des gros parcs hein, quand ils arrivent, hein, en vrai. Genre là. Voilà, bouffe ton parc. Ici. Bouffe ton parc. C'est quoi qu'il aime pas? C'est encore un parking hein? Putain, mais en fait, les parkings dans les trucs de touristes, c'est vraiment naze. Attends, mais en vrai, dans n'importe quelle ville que vous allez en France, il y a des parkings, on est d'accord, assurez-moi. Alors, c'est plus à côté des gares, on est d'accord. Sinon, c'est plus des parkings extérieurs, mais bon. Moi, je me rappelle qu'on joue à Tropico. Tu vois, genre là, il y a quoi? Mais là, à la limite, je m'en fous, parce que là, à la limite, c'est normal. Le parking, ok. Là, c'est quoi? Ah, c'est full cahute ici. Hein. Mais j'avais créé des bâtiments, là. J'avais créé des apparts, là, non? Visiblement, non. Non, mais les gars, s'il n'y a pas de parking. Ah ouais, là, il y a full cahute, en vrai. Hein. C'est tous les gens qui travaillent là, en fait. D'ailleurs, ça doit être en multiculture. Multiculture. Ça, c'est multi, ça, c'est mono, pour l'instant. Les deux gisements de pétrole, là, qui sont en train de bosser. Ce bâtiment ne peut plus prendre de feu. Parfait. Et là, du coup, il faut que je crée des apparts, ici. Bonjour, nouveau sub. Parfait. Bienvenue okay. Chez toi. Pourquoi mettre des parkings s'ils arrivent en bateau? Pour les gens qui travaillent. Pas pour les touristes. Donc là, j'ai quand même mis un dépôt de bus. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Plucci, qui nous rejoint dans la Papichulo Academy. Bienvenue. Merci infiniment pour ton Prime. Tu vas voir, c'est sympa ici. Tu as le métro pour les gens qui travaillent. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va voir. On va avancer un petit peu. Là, je vois qu'il y a des nouveaux touristes qui arrivent. Non. Oula. Bonjour, nouveau sub. Bienvenue chez toi.
J'ai l'impression que ça s'améliore un peu. Ça s'améliore un peu. En tout cas, c'est ici le centre où les gens kiffent le plus. Salle d'arcade, il y a toujours personne. Boîte de nuit, personne. Casino, personne. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Pour ça, toujours personne. Allez les gars, on fait un petit effort. Une personne qui rentre, s'il vous plaît. Une personne en boîte de nuit. Allez, tapez la night là. Poste de police, il y a des gens. Casino de pompiers aussi. Casino, une petite personne, s'il vous plaît. Toujours pas. Ça s'améliore. Chocolat, on a fini le chocolat. Charbon, on avait dit qu'on était bon, mais déjà en train d'en donner. Rhum, on en donne. Banane. Banane, je sais pas si on est bon en fait. Boîte de conserve, on en donne. Caoutchouc, je sais pas si on est bon pareil. C'est pour les voitures. Nickel, or, plastique. Plastique, maintenant c'est vrai qu'on fait du plastique. Uranium. Uranium, on a déjà. On n'est pas si bon que ça en uranium. On a dit plastique. Plastique, du coup, on en produit. Je vais faire une. Allez, je vais faire une quête moyenne de plastique. Je m'en suis pas encore occupé. Cette élection est un rat de marée. Nice. Septième mandat. On va pas changer, tout se passe bien. Septième mandat à 92%. Je sais que vous tenez toujours vos promesses. Ah oui. Mais les citoyens de nos putain, j'aurais pas dû faire ça en fait. Parce que là, ça me force à améliorer un truc pour les prochaines élections, alors j'en avais pas besoin. Exporte pas d'uranium. Bah ouais, mais bon, standard, on a lancé le truc. Nouveau sub. Bienvenue sur. Et on peut se concentrer ensuite sur ne plus le faire. Ou des petites quêtes, tu vois. Parce que en fait, l'uranium rapporte des thunes. Et merci beaucoup, Paulo Burn. Pour ton resub, le quatrième mois. Salut Chose, bravo pour ton stream. Merci. Un bravo dans quel sens? Bravo parce que je stream ou. Pour la partie? Je n'ai pas très bien cerné, merci. Parce que le plastico, on dit qu'il était là. Voilà, le plastico il est là. Plastico, ça va, on en bosse. On bosse du plastico. La consommation augmente de 100%, mais la production augmente de 75%. Pas la peine. Kill et Raquel Benitez. Mais non, on n'a pas eu besoin, tu vois. Raquel Benitez. Vous n'aimez pas voir les navires quitter le port. Si, le cigare, c'est très bien. Sabotage du bloc de l'Est, on doit le faire. Qui est déjà en cours. Les rapi, ils vont nous ramener. Pff, j'aime pas ce qu'ils nous ramènent, les rapi. Charbon, rondin, ananas, café maïsor, poisson, nickel, tabac, lait, caoutchouc, uranium. Ah mais non, attends, ils peuvent nous ramener, les pirates. Lait, caoutchouc, uranium. Caoutchouc pour les voitures, uranium. Attends, ils peuvent nous choper de l'uranium, en vrai, on a oublié ça. On est bientôt à 500 touristes. Selon El Presidente, cette victoire. Bravo, parce que c'est un stream cool, c'est gentil. Qu'en pensez-vous? Tout est de la meilleure qualité, bien sûr. Ouais, petite proposition. Tu vois, le cargo est ramené 0 gold. C'est vraiment de la merde. Parfois, je comprends pas ce qui se passe avec les bateaux. Donc là, il faut augmenter les loisirs de quelques points. Donc on va regarder dans qualité des loisirs. Il y a des endroits où ils ont zéro fun. Tu vois, genre là, eux, ils ont zéro fun, bizarrement. Les hôtels. Comment tu peux pas avoir zéro fun dans l'hôtel? Tu veux que je te mette ça gros cirque? Ouais, petite taverne, ouais, petite taverne. J'ai l'impression que les gens aiment bien les tavernes. J'en ai déjà une ici, en plus, de taverne. Ouais, y'a personne qui y va, la taverne. Pourquoi vous avez zéro fun, vous? Ou l'autre chose, y'a déjà une jetée avec fête foraine qui a été créée pour vous. Réduit les coûts d'entretien, augmente la qualité du service. Allez, boum. On va te mettre un... Allez, un petit resto. Petit resto. Enlève les filtres touristes uniquement, tu penses? Ils sont pas trop mis les filtres touristes uniquement. Je crois que c'est ici que j'ai mis touristes uniquement. En fait, c'était le but, hein, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Parce que si c'est ouvert à tout le monde, c'est pas vraiment ça qu'on voulait créer. Qualité des loisirs. Donc là, ils sont toujours en zéro fun. Eux, ils viennent d'être créés, ils ont zéro fun. On va leur mettre une petite taverne, sympa, dans le coin. Un petit resto aussi. Bien réglé. Petit resto aussi par ici. Parfait. Taverne, tavernier, amène-moi ta meilleure boularde. Tu viens ou pas à Lyon, Mogu? En fait, tu fais le trajet? Est-ce que je fais un petit théâtre? Petit théâtre. Tu vois, petit théâtre, ça peut être sympa ici. Ils en ont besoin.
Petit théâtre là, petit théâtre à côté. Et on augmente un peu les loisirs partout, il faut que je les augmente aussi dans les quartiers résidentiels qu'on a. Qualité des loisirs. Là, là. Là, tu vois, genre, on commence à être stack un peu, mais c'est normal. Genre là, par exemple, ils ont zéro fun maintenant. Est-ce qu'ils ont zéro fun parce qu'il y a du monde ou pas? C'est la seule question. Ça, on peut pas trop le voir. Non, ça a l'air d'aller en plus. Je vais leur mettre des petites tavernes un peu partout, là. Ça va être un... ça va être Bastille. Et on va leur mettre... petit divertissement de luxe. Petit cabaret. On va changer un peu, petit cabaret. Tac, petit cabaret ici. Et on va observer maintenant encore qualité des loisirs, parce qu'il faut que je les améliore. Ici, c'est en jaune. On pourrait mettre un ou deux trucs. C'est vous que station de métro, c'est pas vraiment le fun non plus. Théâtre. Non, eux, c'est les papissus, c'est les plébiens, pardon. Et ils ont des cirques, on va leur mettre des tavernes. Tiens, deux tavernes à côté du métro, comme ça ils choisissent. On peut leur mettre un petit fast-food, comme ça ils bouffent leur Subway. Les qualités des loisirs une dernière fois. Alors là, ici, il y a cette petite presqu'île qui est un peu difficile. Ici, on a zéro fun non plus, en même temps, c'est les prisons. Est-ce que j'ai une taverne en prison? J'ai pas de taverne, on peut mettre une petite taverne à côté des prisons. Après une bonne journée à tabasser 2-3 soldats, 2-3 prisonniers, ça me paraît adapté. Ok, ça c'est important. Il y avait déjà 2 tavernes près des plébiens, bah, il y en aura encore plus. Et là on va accélérer. Ok, le rhum est terminé. Mobilier c'est bon, cigare c'est bon, rhum on peut en remettre, voiture on en a déjà, voiture, bateau on en a déjà, aluminium, banane, cacao, tissu. Ça y a plein de trucs que je fais pas, hein. Tu vois, même crustacés, je sais pas si on en fait. Je pense que si. Ah bah si, putain, on en fait maintenant les crustacés. Tiens, je vais tester un peu. D'accord. D'accord. C'est ici là nos poissons. Poissons. Augmente le taux de production de 10%, augmente ta capacité. Ok, ok. La ferme piscicole nous permet de faire des poissons. Très bien. Parfois, présidenté, je me demande ce que le monde serait sans moi. Publier le décret statique, développement urbain. Mobile, ah putain, c'est chiant de faire ça. Souffle du vent non, je veux pas. Ça coûte cher. Et du coup, on a dit... Les poissons. Ici, j'ai quoi? J'ai poissons et j'ai crustacés. Je suis pas très bon en crustacés. Crustacés, je crois que c'est jeter de pêche ou ferme piscicole. Jeter de pêche pour rajouter un peu ici. Je sais pas s'il chope. Non, il chope pas de là. Trop loin. À part si je fais ça. Nice. On va commencer à faire un peu plus de poissons. C'est un peu loin, l'impression. Alors si je fais ça, je sais pas si je peux rattraper la route. Ah bah c'est nickel. Top. Nickel top. Mais après, ceux qui vont travailler sur cette île, ils n'ont aucun moyen d'atteindre l'île. On va faire un débarcadère. Genre là. Nice. Ok, plus que 5 touristes et on va pouvoir sauvegarder. Après notre 7ème mandat. Et on va passer à aller augmenter nos PB sur Trakos. Comme ça, il sera l'heure d'attaquer les temps modernes. La dernière partie du jeu. Putain, cette partie est longue. Hein. Oh! Les dons, pardon. Alors, beaucoup qui nous dit la fameuse île de Alcolico. On a eu un resub aussi, je l'ai pas vu. Juste avant Paul Auburn, c'était Pichu qui nous fait. Oh merde, putain, je l'ai pas vu. Il est où quoi, Pichu? Des bisous, mon pote. Pour le 16ème mois. Putain, et Pichu, c'est le boss. Et maintenant, Pichu, il va. Il va de stream en stream. Il vient plus maintenant sur le nôtre. Il a disparu. Taverne, tavernier, amène-moi ta meilleure poularde bien poivrée et ta plus belle fille de joie. On va se la coller. Très bien, ça me dit toujours pas si tu viens à Lyon. Presidente, Tropico. Mais là... est une destination touristique si populaire que nous sommes à court de serviettes de plage qui grattent
et de parapluies de cocktails à moitié grignotés. Tout le monde connaîtra maintenant le nom de Tropico. Et plusieurs personnes ont également attrapé une maladie tropicale rare en buvant notre eau de robinet semi-purifiée ou en nageant dans nos piscines d'eau stagnante. Nous sommes tellement célèbres que le mal de Tropico est synonyme de dysenterie dans tous les niveaux dictionnaires. Nous avons réussi. GG. Nous arrivons à la dernière ère. Les temps modernes. Nous avons fait avec 433 000 gold en poche. 2700 personnes sont arrivées. Et je n'accueille pas encore autant de gens parce qu'on pourrait faire travailler une ou deux personnes de plus. Donc je vais sûrement ouvrir un petit peu des possibilités vers les immigrés. Mais on a réussi, du coup ce sera demain de 11 à 15. Et il faudra juste augmenter un peu la satisfaction du loisir, bloc de l'Est ça va, mais là on est très bien. On est très très bien, on va juste améliorer tous nos bâtiments demain et voir parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne les temps modernes. Pour l'instant on est en train de bien progresser mais là je suis super curieux. La guerre froide est terminée. Les temps modernes. Le futur commence dès à présent. Et le passé passe présentement dans le passé. Nous allons voir des choses merveilleuses désormais, des aéroports, des centres commerciaux et un machin qui s'appelle Internet. Et qui permet de penser en une ligne et demie, que de merveilles. Maintenez un équilibre face à la pression permanente des 8 factions. Oh, 2 de plus. Jouer une partie diplomatique avec les 5 superpuissances qui tentent d'exploiter Tropico. Oh, il y en a plus de 2, il y en a 5 maintenant, putain. Utiliser des pirates pour falsifier les notes touristiques ou modifier les conditions des routes commerciales. Wow, ça a l'air huge. Alors tout ça, là, je vais regarder après. Si je peux. Oh merde, oh merde. Ok, il faut choisir maintenant. Je peux pas quitter. Alors, surveillance totale. Tant qu'un ministère de l'information existe, ce qui est le cas, les rôles et les changements de rôles sont enregistrés. La liberté générale baisse de 25, mais augmente la sécurité criminelle de 5. Très bien. Donc si quelqu'un devient criminel ou baron de la drogue ou rival, etc., on peut avoir l'info avant et après. Surveillance de sécurité. Les postes de police et les bâtiments religieux, alors c'est pas notre cas, contrôlent tous les résidents et les travailleurs dans leur rayon de lutte contre la criminalité, détectent les rôles secrets avec une chance de succès de 5%, mais diminuent la liberté générale de 5%. Ok, on a beaucoup de postes de police, ça me paraît adapté. Droit à la vie privée, les postes de contrôle ne peuvent pas découvrir les rôles secrets. Augmente la liberté générale de 5. Alors ça, on va absolument pas le faire. Surveillance de sécurité me paraît assez efficace. Parce que j'avoue que la liberté générale de moins 25, je suis pas chaud. Dans une partie, on est full dictateur, ouais, mais là, c'est too much. On va juste faire ça. Santé publique. Paiement des soins. Les cliniques et les hôpitaux déterminent individuellement la richesse requise et le prix du service. Leur efficacité est augmentée de 20%. C'est bien. Sécurité sociale pour tous. Les cliniques et les hôpitaux acceptent les citoyens, quelle que soit leur richesse, et personne n'a à payer pour leurs services. L'efficacité est augmentée de 2%. Système hybride. Les cliniques et les hôpitaux acceptent les citoyens, quelle que soit leur richesse. Les citoyens qui sont pauvres ou indigents ne payent pas, mais ne gagnent que 75% de la satisfaction pour la santé quand ils les utilisent. Ça, c'est genre un peu le système américain, en fait. La santé de notre citoyen est dominée. En gros, c'est le système américain. Ça, c'est le système français. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que les pauvres ne payent pas leurs soins. Mais les riches payent leurs soins. Mais ne gagne que 75% de la satisfaction pour la santé quand ils l'utilisent. Je pense que là, ça va être sécurité sociale pour tous. On va faire le système français. Parce que ça veut dire que les pauvres doivent payer, donc les pauvres vont crever sinon. C'est pas ok. Et là, du coup, on ira accueillir les nouvelles ères parce que du coup, on a... Ouah, toutes les nouvelles factions! On a les Chinois, les Russes, les Américains, le Moyen-Orient et l'Europe. On a le retour, bien sûr, des communistes religieux, capitalistes, militaristes, écologistes, industriels. Et maintenant, on a les intellectuels et les conservateurs. Ouh là 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 là. On va présenter tout ça demain à 11h. Donc demain, 11h-15h, on va continuer.
Oh putain, là ça va être très très dur. Parce que, en fait, j'avoue que je trouve pas le jeu très, très difficile pour l'instant. Parce que je trouve qu'on s'en sort pas mal. À part une fois, on s'est fait un peu peur. Mais normalement, c'était contrôlé. Juste le jeu a voulu nous faire plus peur que ce que je croyais. Oh, mais là j'ai eu très peur. Mais là c'est. Ça va être. Sauvegarde. J'ai mis quoi ? Stream. Et je vais mettre. Temps moderne.